Salut, moi c'est Anissa, présentatrice officielle des dessins du LIRSA. Et voici mon laboratoire de recherche. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, le LIRSA. Il est composé de 4 branches, c'est-à-dire de 4 équipes de recherche. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer de plus près les travaux de l'équipe POEM, qui travaille sur l'évaluation des politiques, l'économie et la finance. Aujourd'hui, nous explorons le domaine de la gouvernance d'entreprise. Plus précisément, notre étude du jour s'intéresse au rôle de l'actionnariat de contrôle dans la détermination de la rémunération de dirigeants d'entreprise. Vous n'êtes pas sûr de comprendre. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Cette étude a été publiée en 2021 dans la revue Finance et a été écrite par Lionel Almeida, maître de conférence au laboratoire LIRSA au Conservatoire national des arts et métiers. Le contexte. Bienvenue à bord d'une entreprise. Dès que nous parlons du dirigeant ou du président directeur général, le fameux acronyme PDG, vous pensez souvent, et je vous vois venir, aux rémunérations de cette personne. Mais, cette rémunération n'échappe pas à un certain contrôle. En effet, dans les entreprises, il existe des actionnaires. Ce sont des personnes physiques ou morales qui détiennent des actions d'une entreprise, c'est-à-dire des parts de propriété du capital social. Ces actionnaires, pour défendre leurs intérêts et garantir la rentabilité de leur investissement, se font représenter par un conseil d'administration, un CA, qui va mettre en place des mécanismes de gouvernance et exercer un contrôle sur la direction de l'entreprise. Parmi ces mécanismes, un nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la rémunération des dirigeants. Cap sur la littérature pour en savoir plus sur ce sujet. La littérature. Faisons le point. La littérature académique a mis en évidence que la présence de grands actionnaires au capital de l'entreprise conduit à exercer un meilleur contrôle et une pression à la baisse sur les rémunérations des dirigeants. Cependant, deux problèmes surgissent. Tout d'abord, la littérature renseigne peu sur le pourcentage de capital nécessaire à l'actionnaire pour contrôler efficacement la rémunération des dirigeants. De plus, aucune étude ne s'intéresse à l'ancienneté de l'actionnaire. Or, l'auteur a une intuition. Plus un actionnaire cumule d'ancienneté, plus il développe de l'expérience et des compétences spécifiques à l'entreprise et renforce son pouvoir de surveillance. En bref, pour notre chercheur, il serait essentiel d'améliorer les connaissances sur les effets du contrôle des actionnaires selon ces deux critères, le pourcentage de capital et l'ancienneté. Un défi de taille, n'est-ce pas ? Allons dénicher une méthode capable de montrer et préciser ce contrôle actionnarial. La méthode. Bienvenue dans la cabine de notre capitaine chercheur. Celui-ci, pour son étude, a décidé de piloter une enquête quantitative. Il utilise un modèle appelé, in English, the Panel Threshold Regression Model, c'est-à-dire un modèle de régression en données de panel avec des effets de seuil qui se présentent sous l'acronyme PTR. L'objectif est d'identifier des seuils dans le pourcentage de capital ou le nombre d'années d'ancienneté, à partir desquels les caractéristiques du contrôle exercé par les actionnaires sont significativement modifiées. Entre deux seuils, on identifiera des régimes, c'est-à-dire des groupes homogènes d'actionnaires qui exercent un type de contrôle donné. Nous avons donc une méthode en poche. Mais sur quelles entreprises va reposer notre enquête ? Thank you.
Prenons des notes sur un tableau. Notre recherche porte sur un panel de 123 entreprises cotées, ayant leur siège social en France et qui ont fait partie de l'indice SBF 120 durant la période observée, c'est-à-dire entre 2003 et 2012. Les informations, comme la rémunération des dirigeants ou bien le pourcentage de capital détenu par les actionnaires, ont été collectées dans les rapports annuels des entreprises ou extraits de bases de données financières. Au total, notre chercheur rassemble 1119 observations. Sur ce panel observé, les grands actionnaires représentés au conseil d'administration détiennent en moyenne 36% du capital. La rémunération totale d'un directeur général se situe en moyenne à 2,1 millions d'euros et se compose de 1,3 million d'euros versés en numéraire, c'est-à-dire en rémunération fixe et variable, et de 800 000 euros de rémunération incitative sous la forme d'actions. Alors, êtes-vous prêt à lever les voiles ? Notre chercheur lance son modèle, prend le large et découvre plusieurs résultats. Notre modèle PTR a réussi à identifier des seuils qui différencient la politique de rémunération en fonction du pourcentage de capital détenu. Trois seuils sont trouvés et mettent en évidence quatre régimes de contrôle. Un premier régime regroupe les entreprises dont aucun actionnaire ne détient plus de 10% du capital. C'est ce qu'on appelle un actionnariat dispersé, car il est composé uniquement de petits actionnaires. Dans cette configuration, il existe une forte asymétrie d'informations entre actionnaires et dirigeants, au bénéfice de ces derniers. Cette asymétrie peut conduire à ce qu'on appelle l'enracinement des dirigeants. Seuls maîtres à bord, ils ont suffisamment de pouvoir pour négocier des niveaux de rémunération élevés. Mais les actionnaires n'entendent pas en rester là. Ils considèrent que les dirigeants, mandatés par eux, doivent piloter l'entreprise pour servir leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle la relation d'agence. L'objectif des actionnaires est d'aligner l'intérêt des dirigeants avec les leurs, ce qui passe par le versement de rémunérations incitatives sous forme d'actions. Mais paradoxalement, cela conduit à augmenter encore plus la rémunération totale du dirigeant. Ainsi, dans ce premier groupe, on parle de régime d'entreprise non contrôlée. Au-dessus du seuil de 10% de capital, les entreprises sont dites contrôlées et trois autres régimes apparaissent. Notre second régime regroupe les entreprises dont les actionnaires possèdent entre 10 et 33% du capital. Dans ce régime, le principal actionnaire a suffisamment d'influence sur la gouvernance pour exercer un contrôle sur les dirigeants. Ceci a deux conséquences. Les rémunérations en numéraire sont plus faibles et les actionnaires ont moins besoin de se reposer sur la rémunération incitative pour orienter les choix du dirigeant. Cependant, ces actionnaires restent dans une position vulnérable. En détenant une part minoritaire du capital, ils ne sont pas à l'abri de voir leur position contestée par l'arrivée d'un nouveau grand actionnaire. Pour ce régime d'actionnariat, l'auteur parle de contrôle influent. Un troisième régime intervient lorsque les actionnaires détiennent un pourcentage de capital compris entre les seuils de 33 et 45%. Dans ce troisième régime, un phénomène étrange se passe. Les rémunérations des dirigeants augmentent alors même que le contrôle est plus fort. Que se passe-t-il ? Lorsqu'il y a des grands actionnaires au capital, un nouveau type de conflit d'intérêts peut émerger entre les grands actionnaires et les petits actionnaires. En particulier, les grands actionnaires peuvent être tentés d'extraire ce que la littérature appelle des bénéfices privés, au détriment des petits actionnaires, afin de mieux rémunérer leur activité de surveillance, qu'ils sont les seuls à assumer. Pour y parvenir, ils doivent s'assurer la loyauté du dirigeant, ce qui explique ce surcroît de rémunération. Ici, l'actionnaire de contrôle détient une position suffisamment dominante qui le protège de l'arrivée d'un nouveau grand actionnaire. On parle de contrôle dominant. Enfin, dans le cas d'actionnaires détenant plus de 45% des actions,
on parle de contrôle majoritaire. En effet, dans ce régime, les actionnaires parviennent à contrebalancer significativement le pouvoir des dirigeants, ce qui réduit les niveaux de rémunération. Ils sont aussi moins confrontés aux problèmes d'agence et ont donc moins besoin de se reposer sur des programmes de rémunération incitatives. Les rémunérations globales sont ainsi plus faibles. Aussi, comme ils sont majoritaires, leur activité de surveillance est correctement rémunérée et ils sont moins tentés d'extraire des bénéfices privés au détriment des actionnaires minoritaires. A-t-on tout dit ? Non, non, non ! Notre chercheur nous réserve une dernière découverte, un critère jusque-là inexploré. Le chercheur relance alors son modèle à effet de seuil, mais cette fois-ci en regardant l'influence de l'ancienneté de l'actionnaire de contrôle sur la rémunération. Ce critère conduit à identifier un unique seuil qui met en évidence deux régimes de contrôle. Le premier régime concerne les actionnaires avec moins de 8 années d'ancienneté. Lorsqu'ils montent au capital d'une entreprise, ces nouveaux actionnaires de contrôle ont peu de connaissances spécifiques à l'entreprise. Ils sont alors confrontés au traditionnel problème d'asymétrie d'information et au conflit d'agence qui pousse à la hausse la rémunération des dirigeants. Ce régime est qualifié de « nouveau contrôle ». Dans le second régime, avec plus de 8 années d'ancienneté, les actionnaires exercent un contrôle plus efficace, car ils détiennent plus d'expérience et de capacité de surveillance, ce qui se traduit par des rémunérations à des niveaux plus faibles. Ce régime est qualifié de « contrôle de long terme ». Nous arrivons maintenant au terme de notre exploration. Il est temps de conclure. Dans notre étude, les mécanismes décrits s'inscrivent dans une approche de la gouvernance d'entreprise qui a été dominante ces dernières décennies et dans laquelle le dirigeant avait pour principal objectif de créer de la valeur pour les actionnaires. Mais les temps changent. Aujourd'hui, la préoccupation est aussi d'intégrer les intérêts des autres parties prenantes de l'entreprise, à savoir les salariés, mais aussi la société et l'environnement. D'ailleurs, depuis plusieurs années, les grandes entreprises intègrent de plus en plus dans les rémunérations incitatives des dirigeants des critères dits ESG pour environnement, social et gouvernance. Vous l'aurez compris, afin de naviguer de manière plus responsable, les dirigeants d'entreprise doivent désormais, au-delà des intérêts des actionnaires, prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs décisions.